Bon, Geneviève Maigret a un magnifique résultat ici au Saut Hermès 2017 avec Vagabond et Pénélope. Quels sont vos sentiments après l'épreuve? Alors, le cheval a sauté fantastique et sa performance est d'autant remarquable que vraiment ce parcours était trop difficile, je pense, et pas du tout pensé cheval. Et lui, il s'est promené au premier tour, une balade de santé, comme si les difficultés n'existaient pas. Pénélope l'a monté magnifiquement. Enfin, ils étaient en face tous les deux. C'était vraiment, je suis peut-être pas objective, mais le plus beau parcours du premier tour qu'on a vu avec Vagabond et Pénélope. Est-ce qu'il y avait une consigne au barrage, parce qu'ils n'étaient que trois? Est-ce que vous aviez dit à Pénélope de ne pas forcément appuyer trop fort? Alors, moi, je ne lui avais rien dit parce que je la laisse tranquille. C'est elle qui gère son parcours. Je crois qu'elle avait parlé avec Philippe Garda. Alors, je crois qu'on pouvait gagner du temps sur le dernier en faisant une foulée de moins. Est-ce que ça aurait été judicieux? Est-ce que ce n'était pas aller à la faute, aller chercher le 4 points? Bon, ce qui est frustrant, c'est d'être deuxième à 8 centièmes, ce qui n'est pas beaucoup. À une seconde, ça aurait été peut-être moins frustrant. Mais honnêtement, non, j'ai aucune frustration. Je suis très très contente de la performance de mon cheval et de ma cavalière. Et là, ça nous rebooste, ça nous donne la pêche et c'est vraiment formidable. Maintenant, je trouve que le parcours n'était pas bien fait. Et d'ailleurs, je l'ai dit à M. Rottenberger que je trouvais que c'était honteux le parcours qu'il avait fait. Et je pense que je ne suis pas du tout la seule à penser ça. Et je trouve que c'est vraiment dommage de faire du mal aux chevaux comme ça. Pour un si bel événement, dans un cadre aussi beau, les chevaux méritent un peu plus d'égards.